Salut à toi. Aujourd'hui, je t'emmène sur le campus de l'Université de Laval qui se trouve à Québec City, donc Québec la ville. Souvent aujourd'hui, c'est un étudiant actuel de l'Université de Laval qui a eu la gentillesse de nous montrer quelques coins de son campus. Donc, il nous a montré le PEPS que vous avez vu précédemment. Donc, c'est en gros l'équivalent d'un centre sportif. Il nous a également montré le sous-sol, donc les fameux sous-sols de l'Université de Laval qui sont apparemment très connus. Donc, c'est des kilomètres et des kilomètres de souterrains qui vous permettent de passer d'un pavillon à l'autre sans nécessairement sortir durant l'hiver. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Il nous a également montré la cantine, donc ou plutôt la cafétéria où les étudiants vont manger lorsque c'est l'heure de leur pause ou ils ont un creux dans leur horaire. Et on est également passé à côté de la bibliothèque. On est passé proche du stade, donc le stade que vous avez vu au début. Donc c'était vraiment super intéressant. L'université de Laval, encore une fois, a l'air immense. J'ai même pas eu le temps de vraiment regarder ce qu'il y avait à voir. Mais vu que j'étais en visite rapide à Québec City, j'ai décidé de vous montrer un peu à quoi s'attendre lorsque vous fréquenterez l'université de Laval. Du campus de l'Université de Laval qui est splendide à l'intérieur comme à l'extérieur. Au Québec, cette université est dans le top 3. Je pense que c'est même la troisième meilleure université au Québec. Donc, si vous avez la chance de fréquenter cette université, vraiment, il faut se compter chanceux. Voilà, abonnez-vous à ma chaîne.